Non, gars, oui, d'abord, chose, tu veux faire une vidéo là. Ça a déjà commencé. Ouais, gars, pardon, raccroche sa voix, je te rappelle tout à l'heure. Désolé encore, vraiment désolé. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur les stories de Junior Lobo. Installez-vous confortablement et surtout ne sortez pas de vos maisons parce que vous savez qu'il y a le corona. Bref, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait vraiment l'actualité en ce moment, gars. C'est ce qui pourrait s'apparenter à un clash entre. J'ai bien dit, ça peut s'apparenter à un clash entre l'artiste créole, la diva, et sa consoeur, Sia. Alors, avant de commencer, de rentrer de plein pied dans le vif du sujet, je voudrais d'abord souhaiter une bonne fête de l'unité nationale à tous mes amis camerounais, donc à vous. Mes amis camerounais, donc, pour vous faire une dédicace dans cette vidéo, je vais quand même prêter votre accent. Très bien. Donc, on revient tout à l'heure pour décortiquer. Joker. Donc on revient tout à l'heure pour décortiquer ce clash après ce petit générique. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter! Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. Vous l'avez dit? C'est bien beau? C'est bien beau? Donc voilà, nous sommes de retour et donc on va parler dans cette vidéo, comme je le disais en introduction, de ce qui pourrait être un clash entre Sia et Créole. Car ça a cuit et ça continue de cuire en ce moment au Gabon, entre les deux artistes que j'ai cités là. Car vous vous demandez ce qui se passe. Restez tranquille, je vais tout vous donner, je vais vous donner le carlo. C'est-à-dire que vous allez avoir la doc. Vous allez savoir ce qui se passe. Vous allez voir. Vous allez voir. C'est-à-dire que décidément, Créole et Diva. C'est une voix qui passe souvent de buzz en buzz, de problème en problème, à croire que c'est sa marque de fabrique. J'avais déjà fait plusieurs vidéos ici sur elle, à chaque fois qu'elle fait souvent des problèmes et tout ça. Car je vais même vous mettre le lien d'une des vidéos ici pour que vous puissiez voir. Et on se souvient que cette même artiste, la Créole Diva, avait insulté des gens. Le genre que Maloc, c'est souvent que vos mamans, car elle avait alors fait la magie sur le dos aussi. Dès là, quand ils ont fait sortir un son sur la sensibilisation, et les gars ont dit que non, le président avait fait comment, que c'était monté, que c'était descendu. Car la quoi lavait les gens. Que vous, les gens qui se sont arrêtés, c'est même sur le président. Vous, car vous pensez qu'elle ment. Attendez, écoutez vous-même, non. Toutes les personnes qui ont regardé le son, ils ont vu le visage d'Ali Bongo. Ils ont coupé, ils sont parlé au-delà. Ben, excusez-moi de vous dire ça, mais vous êtes des culs. Okay. Toutes les personnes qui ont regardé le son, ils ont vu le visage d'Ali Bongo. Ils ont coupé, ils sont parlé au-delà. Ben, excusez-moi de vous dire ça, mais vous êtes des culs. Excusez-moi de vous dire ça. C'est très sauvage. C'est là où c'est devenu embarrassant. C'est souillant, hein? Gars, vous-même, vous avez vu, non? N'est-ce pas, vous avez vu avec vos oreilles et vous avez entendu avec vos yeux? Gars, en tout cas, bref. Et bien avant ça. Lago avait insulté un de ses camarades artistes, un gars qu'on appelle Doman, que le gars était nul. Mais elle était pourtant la première à partager les voix de Doman. Et quand le gars a fait sortir son album Roi Salomon, le lien de son album est dans la description. Lago a partagé les sons, Lago a fait les vidéos, elle dansait avec. Lago a dit après que oh, le gars c'est un nul et tout ça. Le gars avait fait même les vidéos. Que, ah ouais, c'est comment? On se note, tu peux pas moi m'insulter. Aujourd'hui alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Langa revient encore, elle a encore d'actualité. Jusque là, vous vous demandez, là où Sia intervient. Là alors, Sia intervient. Car Sia a posté une vidéo sur son compte Facebook. Dans la vidéo, on voit un Joe qui a des récipients devant lui. Le Joe prend alors les récipients, il verse de l'eau dans chaque récipient. À un moment, le gars, nous, comme ça, il sent que, hé, il y a un récipient. Et donc, sur chaque récipient, il avait le nom des artistes, non? Il y avait le nom de Créole, il y avait le nom de Sia, il y avait le nom de Chanel. Gars, Lago fait son post, elle met la vidéo, il était 11h15, le 19 mai, mon frère. N'est-ce pas, elle met la vidéo. Et dans la vidéo, tout le gars, il prend le récipient où il y a le nom de Chanel, de Créole, gars. Le gars balance ça, vraiment, on dirait que c'était le chiffon qui avait les caca dessus. Le gars a jeté le récipient. N'est-ce pas, Sia a alors posté pour elle dans la blague, oh, les fans, machin, les fanions. Gars, on ne sait pas sur quelle base le gars faisait le classement.
Est-ce que mon gars faisait le classement que nous, je classe les gens, les artistes ici, par rapport à la beauté, par rapport au talent, par rapport aux formes, gars, personne de nous. C'est alors comment c'est à poste, oui. Vous savez que les fans ont souvent le venin. Gars, ça a cuit. C'est parti dans tous les sens. Et on dit que, oh, comment tu poses les comme ça? Est-ce que tu encourages? Gars, en vrai, même si tu es un autre artiste, gars, on te ment, oh, gars, tu ne partages pas pourquoi. Comprenez que l'anga se sentit un peu. La go a posté sa chose, non? Voilà que Créole sort là-bas aussi, elle pour elle, il est 13h. Gars, la go fait un premier post. Gars, dans le post, gars, c'est le texte que tu voulais dire. La go écrit bien que c'est parce que je suis en deuil, sinon tu aurais taloché. En musique, petit imbécile. Gars, ça a alors déclenché. Le genre, quand on dit que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mon frère. Les gars ont raconté, le chapapé est sorti que. L'anga a répondu, elle a répondu, il va avoir la bagarre, le sang va saigner. Les gens que vous connaissez souvent qu'on fait le vendredi à 17h, que non, gars, moi, il ne peut pas laisser ça. Les gars ont fait le bavardage. Nous, on ne savait même pas pourquoi l'anga avait posté ça. Vous pensez que non, Créole va s'arrêter la gare. Quand Créole fait souvent le genre de trucs, sinon, tu penses qu'elle va s'arrêter à ce. Gars, son thème, lui, ce n'est pas la première gare. La gare fait encore un autre poste. Tu ne seras jamais rien de plus qu'une pâle copie de moi. 5 francs même si tu es l'argent. Tu ne prends jamais, tu ne te prends jamais pour 100 balles. Tu veux que tu chantes ça. Gars, oh, colo. Voilà alors la partie où ça a cuit. Les experts ont directement confirmé que, oh, mon frère, l'angassi est en train de répondre directement à Slia. Sans savoir si réellement les postes s'y étaient adressés à Slia. Gars, c'est les articles que tu voulais lire. Les gars ont sorti les articles ici dehors. Oh, il y a le clash. Oh, ça a cuit, gars. C'est des spéculations, des analyses que tu voulais voir ici au quartier. Gars, fallait voir comment les gars étaient dans le Japon. Oh, faut pas suivre. Peut-être que c'est un buzz que les gars veulent faire pour se lancer. Comme il y a d'abord eu le clash entre Flotte du Sud. Là maintenant, ce sont les gars du Sud qui veulent se clasher. Gars. Et quand même, juste que non, peut-être que les gosses, ils veulent faire un truc, genre, ils veulent faire un featuring et tout ça, ou bien ils vont faire un track challenge, mais ils font d'abord un genre pour que les gens s'intéressent. Bah, nous tous, on est restés là comme ça, on se dit que. Mais gars, les gars étaient déjà godants. Les paramètres que non, c'est la bagarre. Le sang va seulement sortir ici sur la toile. Enfin, je vous dis que les fans, alors, non. Les gars connaissent mettre le piment sur les histoires des gens. En vrai. Le dé ici, mon frère, moi, j'ai voulu sortir ma part. Heureusement que mon esprit me dit que gars, oui, d'abord ne poste pas. Observe la scène. N'est-ce pas, mon grand-père avait dit que j'observe la scène avec mon ami Massamo. On a observé la scène avec mon ami Massamo. Gars, j'observe la scène. C'était en train de descendre. On a vu comment ça descendait. Dès que cela s'est descendu jusqu'à se coucher au sol, la poussière a envahi le dessus, on ne voyait même plus. Le word comme ça, il sent que mince. Slia ne répond jamais. À quel niveau, mon frère? Gars, le Haïtien, c'est la magie. Jusqu'à présent, je vous parle là. Là où il fait la vidéo là, non, gars. On wait seulement la bagarre. Les gars sont prêts. Les gars veulent seulement voir l'ancham ici au quartier. Vous savez que c'est le confinement, les gens s'ennuient. Les gens sont prêts à raconter tout et n'importe quoi pour être réveillés. Mon frère, qui va garder l'affaire si comme ça, là, gars? Nous tous, on est obligés de faire les vidéos, non? Qui va rester tranquille pendant les gens d'histoire, c'est mon frère. Et vous sentez que, gars. Et puis, même d'abord, je trouve même ça d'abord bizarre que. Vrai que si Créole voulait répondre à l'angala, gars, ce n'était pas le texte. Vous savez que quand Créole parlait, toi, mon frère sort le live. C'est le live là que les gens attendent seulement depuis la messe. Gars, à quel niveau du live? Oh. On veut que Créole parle, on veut que. Gars! La go a eu mal. On prend ton récipient où il y a ton nom balancé comme si c'était la couche de l'enfant. On dirait que c'était la couche qui avait la diarrhée. Le gars regarde comme ça que hey, le gars a jeté. Gars, nous tous on est seulement on wait le live. La fin là ne peut pas rester comme ça là. Gars, on y fait vite, coupe la vidéo, on est en train de faire le live. Il y a le live. Oui, elle est en live en ce moment. Alors. N'est-ce pas, il demandait le live. Gars, on dit qu'en ce moment, Créole est en train de faire le live. Mon frère, il dit que restez là, non? Et pas moi chercher. Les arguments encore, je viens encore vous d'où la vidéo. On dit que la go est en train de laver. Regardez. Dites-moi en commentaire, selon vous, qui peut gagner le clash. Moi, je go d'abord
regardez le live. Hein? Il paraît que Crayola est en train de laver ce lit là-bas. On revient dans la prochaine vidéo. On va vous faire le compte rendu. Pardon. Gars, coupez les caméras, coupez. Attends. Au revoir. Au revoir. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner sur le compte Instagram de YouTuber241. YouTuber241 sur Instagram. Allez vous abonner. On est là-bas en stock. Tous les YouTubers du Gabon, gars. Restez connectés. Hein? Laissez les commentaires. Je reviens vous faire le résumé après. À tout à l'heure. Gars, coupe les caméras là-bas. Emballez le matos. Junior Lobo, tu fous quoi sur mon direct? Tu es malade. Hein? Tu fous quoi? T'as-tu encore le courage de venir, même sur mes directs, venir voir mes choses que moi je suis en train de parler dans ma vie? Tu es courageux, hein? Regarde, moi je t'aime encore plus, même encore. Vraiment, l'amour s'est multiplié. L'ondolo s'est ajouté dessus. Ha! Je respecte. Et toi, oh, et ton vaineur stupide, ma boule. Mais quand tu viens partager ça sur ta page, c'est pour faire quoi? C'est pour dénigrer les autres artistes qui sont là. Mais tu oublies que les autres artistes là, ce sont les mêmes artistes ici là qui te soutiennent. Toi maintenant, comme je ne sais pas qu'est-ce qui t'a piqué ou tu veux t'éprouver ou bien tu veux que tes quatre personnes là viennent t'éprouver, quoi que ce soit, je ne sais pas. Tu vas t'aventurer à venir publier ça sur ta page. Tu ne pouvais pas commenter ça là-bas. Tu ne pouvais pas rigoler ou mettre ça même en statut. Ou mettre ça même sur tes comptes banals, les bawatables, les statuts, machin, non? Tu fais ça, c'est pour venir faire quoi? Montrer que tu crois que tu es mieux que Chanel? Moi, créole, on m'enlève. Je suis même plus sur la table. Tu es mieux que, hein? T'es fait mal, hein? Donc, tu es mieux que Tina, hein? Donc, tu es mieux que Chanel, hein? Aïe! Ou bien tu es mieux que Créole, qui est retourné sur sa page des fantastiques. La morale de l'histoire, c'est que tu n'as pas besoin de briller plus que quelqu'un.